On a quatre matchs à domicile qui arrivent contre des équipes qui sont pas loin de nous. Donc c'est le premier match de notre championnat en gros. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que si on pouvait prendre des points contre eux, et ça permettrait ou de les laisser à distance, voire peut-être de prendre encore plus de distance. Donc on ne peut pas bien sûr s'en cacher. On sait que le mois de décembre est très important, enfin le mois de novembre et décembre va être très important pour nous. Pour essayer de faire le plus de points possible, tout en sachant que aller à Marseille et à Lille, bon, ben, ça va pas être facile. Et après, même les matchs à domicile contre des équipes qui seront dans notre championnat, ben, voilà, ça, il faudra essayer d'imposer notre jeu, d'imposer notre patte et d'essayer d'être encore plus performant que l'on peut l'être à domicile. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même perdu pas mal de points à domicile. Il faudra les rattraper quelque part et surtout essayer d'enchaîner devant notre public. Bah, c'est une équipe qui est jeune, qui ont des joueurs de qualité aussi, expérimentés, qui a fait un début un peu malgré tout compliqué. Mais ils ont des joueurs d'expérience qui peuvent leur débloquer les matchs. Et on le voit qu'à partir du moment où, notamment sur coup de pied arrêté, ils débloquent beaucoup de matchs. Donc voilà, il faudra se méfier de cette équipe-là et essayer d'être très cohérent et de pouvoir leur faire mal sur leur point faible. Il faut essayer, nous aussi, de performer dans notre championnat à nous, contre des équipes qui sont concurrentes avec nous, et regarder là où on se situe aujourd'hui. En fait, en gros, 13-14e place, ça serait bien d'y rester le plus longtemps possible pour qu'on puisse jouer et continuer à mettre en place ce qu'on veut mettre sur les matchs, sans avoir une grosse pression de ces places de barrage ou de descente. Voilà, pour l'instant, c'est un peu l'objectif de rester le plus longtemps dans ce 15, 14, 13, ça serait bien. J'ai vécu quand même 2 ans joueur, 7 ans entraîneur. Ma famille vit là-bas, mes amis, il y en a qui viennent au match exprès pour qu'ils montent de Saint-Étienne pour venir voir un peu comment ça se passe. Donc oui, c'est toujours particulier. Ils m'ont tous envoyé des messages en me disant que le meilleur gagne, mais dans un sens, après il y avait marqué allez les verts. Donc tu vois, moi j'ai surtout envie qu'on fasse un bon match. Je sais ce que ça représente pour moi, ce maillot, ce qu'il a représenté. Et voilà, maintenant je suis passé à 3, je suis très content d'être à 3 et j'ai très envie que devant nos supporters on gagne notre match. Je suis très heureux d'être là.